Bonjour, mon nom est Martin Folkman. J'aimerais vous présenter le Bolt Enibus Wi-Fi Bluetooth. Le Bolt est un point d'accès sans fil à monter sur un appareil industriel pour créer un accès sans fil Bluetooth ou Wi-Fi. Un cas typique d'utilisation, utiliser son smartphone, son PC, sa tablette comme une interface machine. Cette solution vous donne de la souplesse et vous permet même d'économiser l'achat d'une interface machine classique. Une autre utilisation typique est de connecter l'appareil à un réseau existant au cloud. Cela vous permet d'analyser les données de la machine sans interférer directement avec elle. Vous pouvez ainsi créer un système IoT industriel. Nous allons voir à présent comment installer le Bolt sur votre machine. Vous allez d'abord percer un trou de 50 mm dans le boîtier pour y installer comme un boulon le Bolt. Une fois celui-ci installé, vous bénéficiez d'une étanchéité IP67 à l'eau et à la poussière. À l'intérieur, vous avez une connexion RJ45 Power over Ethernet et un connecteur pour l'alimentation. L'antenne est intégrée dans la partie supérieure du Bolt. Le Bolt peut être connecté à l'appareil en utilisant une interface série CAN ou Ethernet, incluant des protocoles industriels, Ethernet IP, Profinet, Modbus, TCP ou juste Ethernet TCP/IP et UDP. Pour la connexion réseau, le Bolt peut fonctionner en Bluetooth, Bluetooth Low Energy ou en Wi-Fi. La portée du Bolt est de 100 mètres maximum dans toutes les directions. La configuration du Bolt se fait simplement via une interface web. Vous pouvez même créer une application spécifique au Bolt. Un exemple d'application, un autodiagnostic qui permet de savoir ce qui ne va pas avec une machine. S'il y a un dysfonctionnement, on peut alors connecter un smartphone à l'appareil et utiliser l'application développée pour savoir quel est le problème et quelles sont les solutions possibles. Donc, en résumé, si vous souhaitez créer un accès sans fil avec un appareil industriel, le Bolt est une solution simple à mettre en place, robuste et élégante. Pour plus d'informations, envoyez un mail à Ericom ou appelez-nous au numéro de téléphone indiqué. Merci.